Ouvrez notre Bible rapidement. J'ai senti une onction dans la salle. J'ai dit à Dieu, Seigneur, permets-moi un peu de prêcher. Parce que vous savez, avant de parler de puissance, il faut qu'on parle de parole. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Avant qu'on ne parle de puissance, il faut qu'on parle de... Au commencement n'était pas la puissance. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Sans parole, il n'y a pas de puissance. C'est pourquoi Paul a dit ceci. La parole de Dieu ne repose pas sur des discours persuasifs, mais elle est suivie d'une démonstration de puissance. Qui croit que Dieu parle? Qui croit que Dieu parle? Est-ce que vous voulez qu'on voyage aujourd'hui? Est-ce que vous voulez qu'on voyage aujourd'hui? Est-ce que vous voulez qu'on voyage aujourd'hui? J'ai vu un ange dans cette rangée. Dans cette rangée. Amen. Je suis en train de voir. Je vois comme des feuilles. Là, Dieu est en train de me donner le message. Qui croit en la puissance de Dieu? Ma fille qui est dans le fond là-bas, lève-toi. You over there, stand up. Ma fille qui est en bleu, lève-toi. In blue, stand up. Ça va? Are you okay? Mais je vois une feuille dans tes mains. I see a paper in your hand. Et si cette feuille, on did that paper, je suis en train de voir, c'est écrit accident. I read accident. Mais l'accident ne te concerne pas. It doesn't concern you. Parce que sur cette feuille, on that paper, je vois un nom qui est écrit. I see a name writing. Et mais sur cette feuille, on that name, je vois c'est écrit ami. 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 Mais je vois un nom. I see a name. Je vois un nom. I see a name. C'est qui tu connais comme ami qui s'appelle Cissé? Who do you know that they call Cissé? Cissé, Awa Cissé. Awa Cissé. C'est qui? Who do you know? Non, mettez un micro. Oh là, mouche. A mic. Je veux un micro. I need a mic. Mathieu, mets le micro. Je disais tout à l'heure, j'ai vu comme un ange de révélation qui s'éteignait dans cette rangée. J'ai vu une feuille sur ta main. Et là-dessus, c'est écrit, je vois ami. C'est écrit accident. Ami. Mais sur la feuille, c'est écrit, j'ai vu Awa Cissé. C'est qui? C'est ma copine. C'est ta copine? Elle est claire. Elle a une forte poitrine. Elle aime trop s'amuser. Elle aime beaucoup le show. C'est vrai, papa. C'est ça? Non, je n'ai pas entendu, c'est ça? Is it true? Elle est où? Where is she? Elle est sur le REB à Croix de Bernie. Faut tout faire. Do all your best. Amen. Do all your best. Même si elle est musulmane. Even if she's Muslim. Mais c'est une femme, elle croit beaucoup en Dieu. She believes in God so much. Attention. Watch out. Je suis en train de voir. I'm seeing. Elle est trop généreuse. She's kind. Beaucoup même. Mais les hommes ont beaucoup profité d'elle. Ouais. Beaucoup. Ouais. Elle a parcouru partout. She went everywhere. Pour avoir une vie stable. To have a stable life. Ah, quand je vais la voir. When I'll see her, je peux même lui donner le nom d'un marabout qu'elle allait voir. I can give the name of a fetish priest she went to visit. Qui croit en la puissance de Dieu? You believe the power of the Lord. Non, tu n'as pas fait du bruit. Dis-lui de tout faire. De chercher à me voir avant la fin de ce mois. Avant la fin de ce mois. Je vais la voir beaucoup prier avec elle. Tu sais la solution? Elle consulte beaucoup. Mais ça ne va pas. Parce qu'en réalité, il y avait un homme avec qui elle était auparavant. C'est lui qui a fait cet homme. Il n'était rien. L'homme a beaucoup profité d'elle. Mais depuis qu'il a quitté sa vie jusqu'à aujourd'hui, elle ne se retrouve pas. Sa vie est comme ça. Parce qu'il l'a mis quelque part. Tu connais un peu sa vie? Voilà. Fais tout. Faut qu'elle vienne me voir. Ah! Dis, il y a prophète et puis il y a prophète. Non. À Paris, il y a plusieurs prophètes. Mais on sait qui parle et puis ça arrive. La prophétie n'est pas le problème. The prophecy is not the problem. La prophétie, c'est une parole. It's a word, prophecy. Mais c'est lorsqu'elle s'accomplit, elle devient quelque chose. Je veux déclarer sur ta vie le Dieu de l'accomplissement. The God of fulfillment. Woo! Yes. Ça va marcher. It will work.
Dieu va faire beaucoup de choses pour elle. God will do good, good, great thing for her. Mais dis-lui de venir me voir. Say to her to come to see me. Tu comprends? Do you understand? Ah. Ma fille. My daughter. Est-ce que tu peux te rappeler d'un rêve que tu as fait où tu as vu un enfant? Do you remember a dream you had and you have a, you saw l'année prochaine? Next year, avant la fin des six premiers mois. Before the end je te of vois the cracher. I see you speak. Parce que tu seras enceinte. You'll be pregnant. Ouais, 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 ouais. Amen. Amen. Même la semaine, this week, tu te posais les questions. You wonder, ah, je fais tout, ça ne vient pas. I do all my best, je fais tout, ça ne vient pas. I do all my best, not ça même tuer ta foi. To kill mais your je vois que tu seras enceinte. But I see you'll be pregnant. Faut pas pleurer. Don't cry. Oh. Dieu va faire. God will do it. Tu sais, avec ton homme, with your man, il y a eu des fois où tu sens que tu avais les symptômes comme si tu étais enceinte. You feel some time like c'est you ça pregnant. Où le vent dure, ça tâche de venir, like tout est bloqué, mais après ça vient. C'est pas fréquent. Ça se coupe, ça vient. Mais apportez-moi une bouteille d'eau. Bring me a bottle of water. Qui croit que je suis prophète? Who believe I'm a prophet? Qui croit que je suis prophète? Who believe I'm a prophet? Je ne suis pas pasteur. I'm not a pastor. Je suis prophète. I'm a prophet. Il a bu combien de fois? Six fois. I drank six times. Le chiffre six, c'est le chiffre six, de l'homme. The number of man. Quand je vais te donner, tu vas boire. When I'll give you a new drink. Pendant six jours. Six days. Six days. Six jours. Six days. À partir de ce soir. From now. Faut commencer à boire pendant six jours. Drink it six. Si moi j'ai bu six fois. If I drank six. Et que si elle boit six fois, ça fait combien? She drank six times. Le chiffre douze, c'est le chiffre du fondement. 12 c'est pourquoi Jésus n'a pas commencé le ministère à 8 ans. That's why he didn't start on il a commencé à 12 ans. He started on 12 il avait 12 disciples. He were, 12 il disciples. Avait 12 apôtres. 12 c'est pour cela. That's why, quand il a rencontré when he met la femme the woman qui avait la perte de sang issue of blood, depuis 12 ans, 12 years, la fille de Jairus qui est âgée de 12 ans, quelque chose devait se passer. Un prophète, c'est un esprit. A prophet is a spirit. Un prophète, c'est la pensée de Dieu. A prophet is the thought of the Lord. Attrape-la parce que l'onction est hold là. Hold the mic, hold the mic. Tu m'as établi prophète. Tu m'as dit que prophet. Tous ceux qui viendront à moi, you said those who come dans to ma bouche, tu as mis les réussites. You put my c'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Chroniques, confiez-vous à l'Éternel et à ses prophètes, and his prophet, vous réussirez. And you confiez-vous à l'Éternel, il vous a fait miracle. En ses prophètes, prophet, vous réussirez. You oh El Shaddai, je bénis ton nom. Toi qui viens de me montrer le sexe de l'enfant, you call, j'ai vu, c'est une fille. Samira sera son nom. Shalom, 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 shalom. Shalom, action à l'Éternel. Est-ce qu'on peut rendre la gloire à Dieu? On se lève, on pousse des cris de joie. On acclame Dieu très fort. Gloire à Dieu. Glory be to the Lord. Qui croit en son miracle? Who believe in his miracle? Qui croit en son miracle? Who believe in his miracle? Ah, Matthieu. Matthieu, je suis en train d'aller quelque part. I'm going to somewhere, Matthew. Ouais. Amen. Amen. Le prophète. The prophet. C'est la pensée de Dieu. Is the thought of the Lord. Cette année-là. This year. Ah. Révélation sur révélation. Revelation over revelation. Qui croit en la puissance de Dieu? Who believe in the power of the Lord? J'ai envie de prêcher. I want to preach. Mais il y a un homme qui est ici. There is a man here. N'aie pas honte. Don't feel shy. Quand ta mère était enceinte, when your mother was pregnant, et quand ta mère a accouché, and she gave birth, tu n'as pas connu ton papa. You didn't know your father. Si tu es là, lève-toi. If you are here, stand up. Lève-toi. Stand up. Tu n'as pas connu ton père. You didn't know your father. C'est un homme. Je vais prophétiser. I want to prophesy. Tu n'as pas connu ton papa. You didn't know your father. Tu as vu la photo. You only saw the picture. Tiens-toi debout. Je vais prophétiser. Be on your feet. Debout. Be on your feet. I want to prophesy. Mets-toi comme ça. Be here. Est-ce que tu m'as déjà parlé de ça? Have you ever spoken with me? Tu es trop avec toi. God is with you. Est-ce que tu sais pourquoi quand tu montes, tu descends? You know why you climb and you come quand down. Tu montes, tu descends. You climb and you come down. Tu sais ton père? You know your father? C'est quelqu'un qui devait prospérer beaucoup. He's supposed to prosper.
Parce que c'est un homme He's a man qui avait beaucoup de pouvoir. We had a lot of power. Tout le monde était autour de lui. Everybody was surrounding him. Mais c'est ses propres frères The old brothers, qui l'ont achevé. They finish him. Tu le sais? Do you know that? Est-ce que tu sais? Do you know that? Non, dis oui plus fort. Say yes. Ce que je vais te dire, ce que je vais te dire, what I'll tell you, ça va beaucoup marcher. It will work. Nous sommes en quel mois? We are in this month. Nous sommes en quel mois? Dans le mois de février. The month of February. Je te vois, tu vas voyager. You travel. Ouais. Je te vois voyager. As you travel, tu vas voyager pour un projet. You travel for a project. Et ceux que je vois autour de toi, those who are around, ça sera en peau blanche. White people. Ça va beaucoup marcher. It will work. Dieu va faire des bonnes choses. God will do great things. Ah, j'ai foi. I have faith. Seigneur, il a été dit. Lord is said. Pendant que j'étais en train de parler, as I was saying, j'étais en train de voir sa vie. I was seeing his life. Il a été dit. He said, il montera. He will climb, il descendra. And he will come down. Il montera. He will climb, il descendra. And he will come down. Il y a un homme There is a man, parenté à son père relative to his father, qui n'a plus de dents dans la bouche. He doesn't have teeth in his mouth anymore. Et cet homme that man, aime beaucoup manger la viande. He like to eat meat too much. Seigneur, merci. Lord, thank you. Tu me montres une serre you mix up the place. Ou à des funérailles. A funeral, cet homme a fait par là that man fought, à cause de la viande. Because of meat. Seigneur, merci. Lord, thank you. Si je suis ton prophète, if I'm your prophet, cet homme qui le tient The man et qui a prévu l'arrêter pour ne pas qu'il puisse prospérer. So that I will not prosper. Si tu es Dieu, If you are God, Seigneur Jésus, Lord Jesus, avant la fin de cette année, before the end of this il year, va obtenir une nouvelle, he will hear a news, une bonne nouvelle a good news, dans sa famille, in the family, côté partenaire, the family, que cet homme est tombé, that man is down, est tombé, down, est tombé, down, est tombé. Down. Shalom. Shalom. Ça marche pour lui. Aide-le. Je vais prier pour lui. Puissance de Dieu. Power of God. Cette onction qui est descendue sur moi. This I have not done. Le restaure aujourd'hui. Touche. Va prospère. Sois riche. Rich. Que rien ne t'arrête sur ta route. Que tous tes projets voient le jour. Je déclare longue vie, longévité. Longue vie, longévité. Tu vivras. Tu verras les enfants de tes enfants jusqu'à la quatrième génération. Tu mourras quand tu auras décidé. Je suis prophète. J'annonce ces choses. Accomplis ta parole. On acclame le Seigneur. Et si Dieu est vivant, If God is alive, qui nous démontre par les signes et par les miracles, you have to show with the sign and wonders, qui est d'accord avec moi? Will you agree with Mais ce qui fait la promotion de Dieu, what made the promotion of God? Ce n'est pas ce qu'il a créé. It's not what he created. Mais ce qui fait sa promotion, what made the promotion c'est of la transformation qu'il apporte à notre vie. It's the transformation c'est en cela qu'on reconnaît qu'il est Dieu. Then we know that qui est d'accord avec moi? Who is not agree with nous prenons la Bible rapidement. We take our Bible. Nous sommes dans le livre de la Genèse. The book of Genesis. Genèse 46. Genesis 46. Non, Genèse le chapitre 45. 45, Genesis. À partir du verset 26. From the 26. Allons-y rapidement. We go quick. Il est écrit. Oui. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même si c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Allons-y. Genèse, le chapitre 45, à partir du verset 26. Allons-y, ma fille, rapidement. Ils lui rapportaient toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Hmm. Il vit les chats que Joseph avait envoyés. Il vit les chats que Joseph avait envoyés. Pour le transporter. Pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Non, allons-y, relis à partir du verset 26, pas à pas, jusqu'au verset 28. Allons-y, rapidement. Il leur dit. Oui. Joseph vit encore. Joseph vit encore. Et même si c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte, mm-hmm. mais le cœur de Jacob resta froid mm-hmm. parce qu'il ne les croyait pas. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chats que Joseph avait envoyés pour le transporter. Mm-hmm. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. En Israël, et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils. Vis encore. Mm. J'irai et je le verrai avant que je meure. Amen. Amen. Tu as versé combien? 28. On acclame Dieu très fort. Lève ta main droite rapidement.
Répète avec moi, Seigneur Jésus. Lord Jesus, mets l'onction sur ta parole. Put the anointing over que ton serviteur soit effacé. Your servant be et que toi tu sois vu. And you be known, qu'il diminue. And make et que tu augmentes. And you increase. Seigneur, merci. Thank you, Lord. Étends ta main. Stretch your hand. Glorifie ton nom. Glorify your name. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Le thème de ce mois, the theme of this month, c'est pensant qu'il était. Thinking he was dead. Pensant qu'il était. Thinking he's dead. Pensant qu'il était. Thinking he's dead. Pensant qu'il était. Thinking he's mais voici dead. Un homme. Voici un homme du nom de Joseph. This is a man called Joseph. La Bible déclare the Bible declares, que le père de Joseph, the father of Joseph avait plusieurs enfants. Having many children. Mais il a eu Joseph dans sa vieillesse. He had Joseph in c'est pourquoi age. Le nom que Joseph porte, that's why the name Joseph ce n'est pas un nom simple. It's not a simple mais name. C'est un nom rattaché his name going with aux difficultés de sa vie. Through the difficulty of his son life. Père lui donne le nom Joseph, the father gave him a name Joseph parce qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. He had Joseph in the donc age. Il lui donne le nom Joseph. And gave a name Joseph. Joseph qui signifie Joseph mean, ajoute encore. Add more. La Bible déclare ceci. Declare, vous savez, you know, un père peut avoir plusieurs enfants. Mais il y a toujours qu'il y a un qui l'aime plus que les autres. There is one he loves more une mère peut avoir plusieurs enfants. Mais il y a toujours une personne qu'elle aime par rapport aux autres. Tout dépend de la circonstance comment elle a eu. Everything depends on the circumstances. L'enfant qu'on a obtenu dans la césarienne. The child we receive et l'enfant qu'on a accouché facilement. The one they give birth easy. Il n'y a pas le même amour. They don't have the same love. Mais la Bible déclare, the Bible declares, la mère de Joseph, the mother of Joseph a eu Joseph dans les difficultés. Joseph in parce que Joseph était, Jacob était avancé en âge. Joseph, Jacob were old. Donc Jacob et Joseph est né when Joseph were born, dans la vieillesse. In old c'est pourquoi son père lui donne le nom. That's why the father gave ajoute the name. Encore. Add more. Mais la Bible dit ceci. The Bible declares, son père l'aimait tellement. He loved him so much. La Bible dit il fit une tunique he make him, he make de plusieurs couleurs. A multicolor. Je veux dire une tunique multicolore. A multicolor garment. On le dit la tunique bigarrée. The multicolored qui avait plusieurs couleurs. Many colors. La Bible déclare. The Bible says, le père de Joseph, the father of Joseph prend cette tunique. Take that garment. Il ne donne pas à Ruben. He didn't give to Ruben. Il prend cette tunique. Take that garment. Il ne donne pas au frère de Joseph. He didn't give to mais il prend Joseph. La tunique. He take the, et il donne au plus petit. And gave it to qui s'appelle Joseph. Joseph. La Bible dit ceci. The Bible says, Joseph a grandi. Joseph grew. Un jour, one pendant day, qu'il dormait, as we're sleeping, il eut un rêve. He had a dream. Dans son rêve, in his dream, il voit le soleil, he saw the sun, les étoiles, the stars, la lune, the moon, se prosterner à ses bow pieds. Before him. Quand il finit d'avoir ce rêve, when he's finished, il va vers ses frères. He went to the brother, et il a dit ceci. He said, dans mon rêve, in my dream, j'ai vu des gens qui se prosternaient devant moi. Bow before me. La Bible dit qu'il le méprisa encore davantage. They despise him more. Il a encore un autre rêve. And he had another il voit les étoiles, la lune se prosterner. He saw the star il se lève, il va dire à son père. He went to son to père lui dit ceci. The father said, moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. You believe, do you think that I and my your mother are going to bow before mais you? Les frères de Joseph, my brother Joseph ont interprété le rêve de Joseph the rest, sans le savoir. The dream, without knowing. Ils ont donné l'interprétation à Joseph. They gave the interpretation. En disant ceci à Joseph. I said to Joseph. Est-ce que tu régneras sur nous? Are you going to reign over us? Je vais dire à quelqu'un. I want to tell vous savez, you know, Joseph est né. Joseph il n'avait pas de problème. He don't have mais ce qui a créé son problème, problem? C'est parce qu'il parlait beaucoup. We're talking much. Dieu te montre ton rêve. Si tu n'as pas l'interprétation, if you don't have interpretation, mais demande à celui qui t'a montré. Ask the one il est capable de te donner l'interprétation. Voici comment plusieurs personnes ont caché les rêves, ont caché les visions, ont caché les projets. À force de trop parler, il y a des personnes qui ont la diarrhée verbale. Il ne peut pas s'en passer de parler. Partout il va, il parle. Mais qu'est-ce qu'il devait dire? Que celui qui attend ton projet t'aime. Ou bien il est avec toi. Le même qui attend ton projet, tu ne sais pas quelle pensée il a contre toi. You don't know what thought he has for you. Il peut ne pas être Dieu. Not, mais le fait qu'il ait une mauvaise pensée, he has many ça va influencer ton rêve. The fact he has ça va influencer ton projet. Mais ça ne peut pas l'arrêter. He cannot stop it. Écoutez, listen, le rêve qui vient de l'homme the dream, peut s'arrêter. Mais le rêve qui vient de Dieu, peu importe l'opposition, peu importe l'adversité, quand le rêve vient de Dieu, elle va s'accomplir. Le rêve peut être combattu. Le rêve peut être attaqué. Mais il y a des endroits où il y a des sites que Dieu lui-même a fixés. Ou à quel temps telle partie doit s'accomplir. À quel temps tu dois être à tel endroit. Et toutes ces choses doivent s'accomplir. La Bible dit, the
Bible says, il finit de raconter ses rêves. He finished telling his dream. La Bible dit à cause de la jalousie. Because of the jealousy. Un jour son père lui dit, the father said, Joseph, va me chercher tes frères. Go and look for your brothers. La Bible dit, il prend le chemin. He took the way. Il va rencontrer un cultivateur dans le champ. He met a farmer. Et il lui pose la question. He asked him, il dit, n'as-tu pas vu mes frères? Have you il dit, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Let them go to Dothan. C'est à Dothan qu'ils sont partis. They went to Dothan. Joseph va prendre le chemin. He took the way. Il rencontre ses frères. He met the brother. La Bible déclare, the Bible declared, quand ils ont vu Joseph, Joseph, ils ont dit, voici le faisceau de rêve. Attrapons-le. Et tuons-le. Laisse-moi te dire, tes adversaires peuvent confesser ta mort. Ils peuvent confesser vouloir te tuer. Mais si Dieu n'a pas décidé, ces choses ne pourront pas s'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dans le livre de Proverbes, les projets de l'homme dépend de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Je suis en train de dire ceci. Voici la fin d'année qui a commencé. Pensez de tes ennemis. C'est de pouvoir t'anéantir, t'enterrer, te tuer. C'est leur projet. Je ne peux pas les empêcher de penser. Mais je peux les empêcher d'accomplir ce projet dans ta vie. Qui a dit amen, ça arrive. Qui a dit amen, ça arrive. Qui a dit amen, ça arrive. On prend Joseph. On le met dans un puits. Mais le puits là où on le met, il va croiser des Madianites. La Bible déclare, ses frères l'ont pris. Ils l'ont vendu à un troupe de Madianites qui était de passage. La Bible dit ceci. On prend Joseph. Et ils vont avec Joseph en Égypte. Joseph va rester chez la femme de Potiphar. La femme de Potiphar va dire à Joseph, couche avec moi. Joseph dit non. La Bible déclare, il va sortir en courant de chez la femme de Potiphar. Écoutez, si le diable, dans vos épreuves, vous propose 15, c'est que Dieu a 25 pour vous. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis ceci. Dans vos projets, si le diable, dans vos épreuves, vous propose 15, c'est que Dieu a 25 pour vous. J'ai dit Dieu a 25 pour vous. C'est ce que Joseph a compris. Et il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté la proposition de la femme de Potiphar. On le prend. On le met en prison. Écoutez. Quand Dieu vous donne un projet, il vous donne un rêve. Ça ne veut pas dire forcément. Là où tu étais, que tu as songé, où tu as eu le rêve, que c'est celui où le rêve doit s'accomplir. Il y a un endroit toujours où Dieu va t'emmener. Il y a des endroits où on reçoit la parole. Il y a des endroits où on va. Où la parole doit s'accomplir. Où la parole doit s'accomplir. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé sur cette terre, il y avait des sites où il devait partir. Parce que l'accomplissement l'attendait à ces endroits. C'est pour cela. Quand il a rencontré Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il lui dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean-Baptiste lui dit ceci. Je ne suis pas digne d'enlever les lacets de tes souliers. Jésus lui dit ceci. Fais-le. Do it. Pour que l'écriture s'accomplisse. So that the work can be fulfilled. Joseph. Joseph. Là où il est parti. Where he went, ils l'ont mis en prison. They put in prison. Ses propres frères. Their own brother, qui ont voulu le tuer. Who wanted to kill ils ont tué un animal. They kill an animal. Et ils ont pris ce sang. They took a blood. Pour mettre dans son vêtement. Put in garment. Et ils ont pris son vêtement. They took a garment. Pour aller dire à Jacob. To show to Jacob. Voici la tunique de ton fils. This is a garment of your une son. Bête féroce l'a dévoré. A animal kill him. Jacob a commencé à pleurer. The bad man didn't parce que pour lui, for him, son fils Joseph était mort. The son was dead. Mais la Bible déclare, the Bible déclare cela a duré pendant 11 ans. Je vais dire à quelqu'un, le mensonge peut courir, le mensonge peut accélérer, le mensonge peut prendre l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier, quel que soit le temps. Elle finit par arriver. Elle finit par triompher. Je veux dire à quelqu'un, personne ne pourra changer ton histoire. Personne ne pourra triquer ton histoire. Personne ne pourra t'enterrer. Personne ne pourra te faire jouer. Personne ne pourra te déstabiliser. Au nom de Jésus. Vis longtemps. Live long. La Bible dit ceci. The Bible says, Joseph. Joseph. Le père de Joseph, Jacob, a commencé à pleurer parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Pour lui, son fils était parti. Mais je bénis Dieu. La Bible dit, un jour, les frères de Joseph vont aller en Égypte pour aller chercher la nourriture.
Parce qu'il y avait la famine. Il n'y avait plus de repas. Ils vont sortir pour aller en Égypte, pour aller chercher la nourriture. La Bible déclare, quand ils sont arrivés, ils ont vu le même qu'ils avaient rejeté. Mais en réalité, ils n'ont pas reconnu. Opération, les gens te chercheront. Mais ils te verront, ils ne vont pas te reconnaître. Opération, ils te chercheront. Opération, ils te chercheront. Opération, ils te chercheront. Opération, ils te chercheront. La Bible dit, quand ils ont vu leurs propres frères, parce que quand Joseph, quand vous êtes en Égypte, vous mettez la kippa sur votre tête, pour que vous comportez comme les Égyptiens. Mais la Bible déclare, quand ils voyaient ses frères, ils ôtaient le voile. Il y a des endroits où Dieu t'a envoyé. Les gens pensent que c'est parce que vous êtes même chose. Non, toi tu es là-bas pas parce que tu as les problèmes, mais tu es là-bas parce que tu attends le temps de Dieu. Moïse était chez Pharaon. Pharaon pensait que Moïse était égyptien. C'était l'appelé égyptien. Mais il ne savait pas que c'était quelqu'un qui était infiltré au milieu d'eux. La pauvreté là où tu es. Tu es un homme de la richesse qui a été invité dans la pauvreté, invité dans la maladie, invité dans les problèmes. Le temps arrive où tu sortiras. On regarde Joseph. Tout le monde le regarde. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Maintenant Joseph commence à dire à ses frères, c'est moi. Il a dit, c'est moi. En ce mois, les gens te verront. Ils ne vont pas te reconnaître. Mais tu diras, c'est moi. Tu diras, c'est moi. C'est moi qui ai cette maison. C'est moi qui ai cette voiture. C'est moi qui ai ces enfants. C'est moi qui suis élevé. C'est moi qui suis à ce poste. C'est moi qui ai la promotion. C'est moi qui suis prospère. C'est moi qui suis béni. C'est moi qui suis enrichi. Qui a dit, c'est moi, se lève. Qui a dit, c'est moi, se lève. C'est moi. It's me. C'est moi. It's me. Le prophète qui trouve tous les pasteurs de Paris. Le prophète. C'est moi. Le prophète qui trouve les démons. Le prophète. C'est moi. Le prophète qui entend les vaudous. C'est moi. Le prophète qui entend les francs-maçons. C'est moi. Le prophète qui entend les résurgiciens. C'est moi. Le prophète qui égorge Baal et ses sorciers. C'est moi. It's me. C'est moi. It's me. C'est moi. It's me. C'est moi. It's me. Vis longtemps. Live long. Vis longtemps, maman. Live long. C'est moi. It's me. Il n'y a pas deux. We are not. C'est moi. It's me. Où tous les gens. Where people font des organisations organisation pour casser l'église que Dieu m'a confiée. Mais je résiste toujours. Résiste. C'est moi. It's me. 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 Woo! Yes! Woo! C'est moi. It's me. Malgré les gens me salissent de partout. Mais Dieu continue toujours à grandir mon nom. On dit il est sorcier. Il n'est pas de Dieu. C'est moi. It's me. C'est moi. It's me. Vis longtemps. Live long. C'est moi. It's me. Il n'y a pas deux. We are not two. Écoutez. Listen. Battez-vous. You can fight. Dans votre vie. In your life. Faites tout. Do all your best. Ne soyez pas des photocopies. Don't be a photocopy. Je prophétise. I prophesy. Vous êtes des originaux. You are original. 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 Tu n'es pas une photocopie. You are not a photocopy. Les gens vont tout faire pour essayer de te ressembler. Mais quand vous allez arriver sur le terrain, il n'y a pas match. 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 No game. Écoutez. Listen. Joseph a été béni par obéissance. Joseph was blessed by obedience. Si Joseph n'avait pas obéi, d'aller chercher ses frères à Dothan, il n'allait pas être élevé. Vous qui êtes ici, vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, faites vos offrandes, mais soyez obéissants.
On peut tout dire de vous, mais respectez celui qui vous a créé. Marchez selon sa volonté. Marchez selon sa justice. Marchez selon sa sagesse. Écoutez, quand Dieu fait ton combat, Dieu ne se bat pas. Tu sais comment Dieu fait? C'est ton élévation, ton témoignage qui est ton parole. Je me souviens, il y avait un jeune lieutenant qui avait sa fille. Et il y a quelqu'un qui voulait sa fille. Et la personne n'était rien. Donc chaque soir, il partait chez le lieutenant. Il voyait la fille du lieutenant. Le lieutenant lui dit, toi, enfant de pauvre, là, tu es venu faire quoi derrière ma fille? Et il a pris, il a giflé. Vous savez, le jeune qui n'était rien pouvait aussi répliquer. Mais regarde ce qu'il va dire au lieutenant. Je serai plus que toi. Aujourd'hui où je vous parle, le petit qui n'était rien, il est devenu commissaire. Ta meilleure façon de répondre à tes ennemis, quand ils se lèvent pour te casser, pour te détruire, pour te salir, bats-toi, réussis toujours. Bats-toi, réussis toujours. Bats-toi, réussis toujours. Car c'est ta réussite qui sera la preuve de ton combat, la preuve de ton résultat, la preuve de ton élèvement, la preuve de ta percée. C'est la meilleure façon de répondre à tes ennemis. L'autre insulte, tu l'insultes. C'est que vous êtes même chose. Quand il t'insulte, tu réussis. Mais je finis par là. La Bible dit, Joseph va donner la nourriture à son frère et dit, allez donner ça à mon père. La Bible dit, quand ils sont partis, Jacob n'était pas encore convaincu. Mais la Bible dit, quand il envoyait les chats, quand Jacob a vu les chats, la Bible dit, son esprit se réanima. Ils ont cru que Joseph était mort, pensant qu'il était mort. Mais quelque part, il était en train de prospérer. Quelque part, il était en train d'être élevé. C'est pour cela. Il y a plusieurs personnes ici. À Paris, il y a des gens qui vous ont fait venir. Parce qu'il t'a fait venir. Il veut diriger ta vie. Il veut te dominer. Il te salit. Il te traite de tous les noms. Même au pays, celui qui annonce que tu n'es plus, ça ne va plus chez toi. Tu es sans emploi. Tu es sans maison. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est vrai qu'il n'a pas tes nouvelles. Mais en réalité, dis révélation. Dieu t'a fait changer de position. Vous savez, il y a un stade avec Dieu où on est lion. Mais il y a un stade avec Dieu quand Dieu veut nous élever et nous transforme en l'aigle. Vous connaissez l'aigle? Vous connaissez l'aigle? Quand tu vois l'aigle, son aspect physique ne témoigne pas sa force. L'aigle est capable de peser 10 et 9 kilos. Mais l'aigle est capable de transporter un poids qui ne détermine pas sa force. La Bible déclare, quand l'aigle veut changer son plumage, il va se cacher dans le rocher. Quand il est dans le rocher, les gens n'ont plus de ses nouvelles. Les autres oiseaux dans le ciel font leur promotion. On dit l'aigle est mort, l'aigle n'est plus là. Pourtant Dieu l'a caché dans le rocher. Dieu l'a cassé dans le rocher. Dieu l'a cassé dans le rocher. Dieu l'a cassé dans le rocher. Il y a plusieurs ici qui sont dans le rocher. Ils n'ont plus été nouvelles. Tu es en train de refaire ton plumage. Quand tu vas sortir, tu vas voler face à la tempête. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Tu crois en ton miracle? Pensant qu'il était mort. Quelque chose s'est passé. Dieu l'a élevé. God raised him up. Écoutez. Listen. Dieu appelle la mort sommeil. God called. Laissez les gens parler. Allow people. Ça ne va plus chez toi. Mais tu es dans le sommeil de Dieu. Dieu est en train de créer quelque chose pour toi. Vous savez, quand un homme doit réussir, il apprend à se cacher souvent. On n'a plus tes nouvelles. Chacun donne son pronostic. Chacun donne son pronostic. Vous savez, au cours d'un match, c'est pas l'équipe adverse qui commence à mener qui doit gagner. Non, 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 non. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, le match continue. Or, l'arbitre est le seul maître du terrain. Le seul maître du terrain, c'est Dieu. Dieu ne donnera pas la victoire à Satan, mais c'est à toi qui donneras. C'est à toi qui donnera la victoire. On va tous se tenir debout.